à la vanille, aux fruits des bois et au chocolat. Il y en a pour tous les goûts. Des yaourts produits et directement vendus à la ferme. Ils ont cette année encore été largement primés au Salon de l'agriculture. Le nature et la crème fraîche en or, 4 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, ce qui porte notre total à 8 médailles, notre record, et un palmarès de 53 médailles. Édouard Chedru a de quoi avoir le sourire. Il est l'agriculteur le plus titré de son département cette année. Ses yaourts, il les vend dans les plus grands palaces parisiens. Et dans sa boutique, les clients ne s'étonnent pas de son succès. Tous les ans, ils ont des médailles de toute façon. Et ils le méritent bien parce que c'est succulent, hein, tous leurs produits. Hein. C'est la texture, c'est la saveur, c'est la variété des parfums. Voilà, puis je sais pas si vous n'avez qu'à les goûter, vous verrez. La ferme des Peupliers écoule 12 millions de petits pots chaque année. Une success story normande qui s'est bâtie sur 4 générations d'agriculteurs. Il y a un an et demi, Édouard a repris l'exploitation familiale avec son frère. Et le Salon de l'agriculture reste pour eux un rendez-vous annuel incontournable. On n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu ce palmarès. Donc ça participe un peu à l'effort de fond de notoriété et de connaissance de notre savoir-faire. Parce qu'on parle toujours du savoir-faire, mais il y a quelque chose aussi d'important, c'est le faire savoir. Parce qu'on peut faire les meilleurs yaourts, si personne ne le sait, on n'en vendra jamais. Donc ça participe forcément à communiquer, à se faire connaître auprès du grand public. De la production du fourrage pour les vaches à la vente directe aux clients, tout cela sans intermédiaire. La clé de la réussite à la ferme des Peupliers, garder les pieds sur terre sans agrandir pour le moment l'exploitation familiale.